Salut, c'est Thomas Lemoine, rider de mountain bike. Suivez-moi sur la piste. Je suis pro mountain bike rider, donc je fais du vélo à plein temps. Et donc c'est à la fois ma passion et mon métier. Alors quand j'étais jeune, j'étais pas du tout au courant de ce qui se passait dans le vélo. Et en fait c'est mon papa qui m'a fait découvrir ça au hasard. Et du coup j'ai de suite accroché et j'ai dit c'est ce que je veux faire. Donc j'ai commencé en BMX Race, donc en Bicross. Et je suis passé au VTT à l'âge de 11 ans. J'ai aujourd'hui 20 ans dans 3 jours, donc ça fait bientôt 9 ans. Alors ce que je fais, c'est du mountain bike stop style. Donc c'est-à-dire on part d'un point A à un point B avec différents modules. Et on doit faire des figures sur chaque boss de notre choix. C'est un peu comme du patinage artistique ou de la gymnastique, mais en sport extrême. L'adrénaline, c'est ce qui nous pousse et ce qui nous fait peur à la fois. Mais c'est cool, ça donne un bon feeling et c'est ce qui fait, je pense, avancer. Pour être un rider professionnel, ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup de concentration et de motivation. C'est pas vraiment facile tout le temps quand on est confronté à tomber, quand on veut faire des nouvelles figures, etc. Il y a pas mal de figures qui sont pas vraiment dangereuse, donc une fois qu'on a toutes les bases, mais je recommanderais le tabletop parce que c'est une figure qu'on peut faire sans lâcher les mains et les pieds, donc ça fait un peu moins peur au début. Un tabletop, on va sauter et dans les airs on va essayer de mettre son vélo à plat et de le remonter vers l'épaule, donc ça fait un peu peur comme ça, mais à voir, ça fait moins peur. Pour devenir rider pro, il n'y a pas d'âge. Sinon, si un jeune est assez bon à 14 ans pour nous battre, il peut rouler en professionnel. J'espère que dans 10 ans, je serai toujours en train de faire la même chose. Et je sais qu'on a quelques-uns des meilleurs qui sont encore entre la trentaine et la quarantaine, donc ça donne envie de faire comme eux et d'être toujours là à leur âge.